Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en New Game Plus sur Spider-Man Miles Morales. Donc comme vous voyez, j'ai déjà joué au jeu. Donc je vais faire un New Game Plus. Voilà, donc New Game Plus. C'est incroyable comme dans l'autre, puis on va faire précédemment dans. J'avais une vie à peu près normale. Je vivais dans le quartier le plus pauvre du monde. Brooklyn. Représente, j'avais deux parents super. Et j'étais fan de science et de super-héros. Mais tout a changé. Quand mon père est mort dans l'attentat de l'hôtel de ville. Ça a été un choc énorme. Mais Peter Parker et sa tante May étaient là pour moi. Et Spider-Man aussi. Il n'était autre que Peter. C'est fou, hein. Ensuite, pendant la crise du souffle du diable, ça a été super tendu. Tous les ennemis de Spidey se sont ligués contre lui. J'ai quand même réussi à lui donner un coup. Et après tout ça, vous allez pas le croire, une araignée m'a mordu. Et j'ai commencé à changer. Je voulais pas que ma mère s'inquiète, alors j'en ai parlé à Pete. Et maintenant, on est officiellement Spider-Pot. C'est lui qui m'entraîne. Je dirais que je commence à maîtriser plutôt bien le maniement de la toile. Je cherche encore le bon équilibre entre cette responsabilité et tout le reste. L'école, les amis, la nouvelle maison. J'ai emménagé à Harlem il y a quelques semaines. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Donc on va démarrer. Comment c'est trop cool. Attendez. Cool, merci. Pas de problème. Et sinon, vous pensez mettre le nouveau Spider-Man aussi? Le gamin? Ouais, peut-être bien. Mais bon, moi, je préfère l'original. Ouais, je comprends. Dites, Théo's Bodega, c'est par là? Ouais, c'est l'enseigne jaune un peu plus bas, un ratable. Merci. Et c'est du super boulot. Mais laissez un peu de place pour le nouveau, au cas où. Le convoi. Voilà le fameux costume. Attendez là, je vais juste changer le costume par exemple là. Parce que là je vais peut-être le mettre après, sinon je peux mettre fierté du quartier comme pour le joueur des cadeaux qu'il va faire. Ou moi, je pense que je devrais mettre. Euh,
Peut-être la cousue à main, genre. C'est ça que je vous parlais dans le dernier épisode dans Marvel Spider-Man, je réussis jamais à me décider pour le costume. Il ressemble à quoi le costume? Ok, non, le costume je l'aime pas en fait. Oh, je vais garder fierté ce quartier. Ouais, enfin, le raft est super moche, là il est sûr. Du moment que leurs problèmes d'octopodes sont bien réglés. Espérons, je suis plus très loin. À tout de suite. Faut prévenir maman que je suis en retard. Miles, que tal? Est-ce que t'as fait du cours? Salut maman! Ouais, Hey, il y avait plus de coco à la bodega. Je vais dans une boutique du centre. Oh, merci. Mais évite Midtown. Mon boîte prisonnier bloque complètement la circulation. Oh, ouais, bonne idée. À ce soir au dîner. Bisous. Ah, comment il fait, Pete, avec son identité secrète? Ça, c'est pas possible. Moi, la tenue ferté du quartier, je la trouve hyper belle en vrai. Ok, du calme. Tu vas aider Spider-Man à protéger un convoi géant de prisonniers. Tu peux y arriver. Inspiration, expiration. Du calme. Pete, t'es là? Ouais, je fais le plein de carburant. Comment t'arrives à boire? En faisant très attention. Ok, en voiture. X2 en route avec cargaison lourde. Bien reçu, X2, on vous aperçoit. C'est une sacrée opération. C'est normal. Des centaines de criminels se sont échappés du rap l'an dernier. Maintenant, il faut les remettre en cellule. La police ne veut pas prendre de risques. Surtout avec notre invité d'honneur. On a beaucoup d'interférences, là. C'est un des anciens complices de Doc Ock. Possible. Peut-être Vulture. Ou peut-être Scorpion. Ou peut-être quelqu'un de plus gros. Ok, là, on a un problème. Attends, Max, laisse-moi. Je m'en occupe, Pete. T'inquiète. Max, non. C'est sécurisé. De s'ouvrir avant. Avant que ça n'arrive. Salut, les petites sables. Tant pis. Allez, on y va. Alors,
Beau comme ça. Il est déjà tard. Allô, maman? Ouais, le lait de coco. Je cherche, mais je trouve pas. C'est KO, pas idée. Qu'est-ce qu'il y a, du coup? Ouais, désolé, c'est ça que je fais un métro. Mira, mira, c'est pas bien. Prends une brique et rentre en écoute. Si, ma, je quiero mucho. Moi aussi. Ok, j'arrive. Salut. Ouais, c'est quoi le plan? On va réchauffer tout ça. Et... Oh, pas bon, pas bon du tout. Salt. Pete, est-ce que ça va? Non. Non, non, non. Ça va. Je m'occupe de lui. On vient vers toi. Tiens-toi prêt.
non. Spider moche, perd jamais. Oh, oh. Hein? De quoi? Ouais. J'suis là. T'es où? Bah, il est où? Hein? Wow. Go. Allez, viens. Ça te dit un choc électrique? Choc électrique et boum, triple même et second. Krieger, directeur de recherche de Roxxon Energy. Ravi de vous connaître. Pareillement, désolé. Je crois que le ballon a atterri chez vous.
Non, vous nous avez rendu service. On vient d'acheter ce terrain, on comptait tout démolir pour un projet. Mais vous avez été plus rapide. Je voulais vous remercier. Tous les deux. Terra Serino. En solo. T'iras loin, mon grand. Merci. Mais il est encore dangereux. Oh non. On le livrera à la police. Moi qui n'arrête pas de répéter qu'on n'a pas besoin de super soldats ici. Et ce genre de choses arrive. Oh, le devoir m'appelle. Hé, c'était super de vous rencontrer, les garçons. L'avenir s'annonce radieux. Allô. Il a raison. On décolle. Laissons la police faire son boulot. Ouais. Ouais, ok. De la bioélectricité? Wow. Je vais pas te mentir. Je suis un peu jaloux. Oh, arrête. Je suis loin de t'arriver à la cheville. On devrait peut-être faire des tests demain. Une petite analyse du voltage. Ah, mince. Ouais, désolé, je voulais t'en parler. Je serai un peu absent dans les semaines à venir. C'est encore une de tes blagues, c'est ça? Non, en fait, MJ part en voyage pour le Bugle et je vais être son photographe, tu vois. En gros, on part bosser à l'étranger. Oh, waouh! Écoute, je crois pas être prêt à bosser en solo. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui avec l'hélicoptère. Mais après, t'as tout cartonné. Tu m'as sauvé aujourd'hui, Miles. J'ai eu de la chance. Hey, j'ai fait ce boulot pendant 8 ans sans assistance. Et crois-moi, je me suis planté un paquet de fois. C'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que c'est? Ton cadeau de Noël. Mais d'abord, tu dois prêter serment. Hein? Ok. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je promets. Voilà, c'est bon. C'est sérieux ton serment? Ouais, bien sûr. T'as cru quoi? Que c'était de l'impro? Même le costume, il t'a endommagé. Même si c'est pas le vrai costume, c'est ça qui coule. Spider-Man. Le seul Spider-Man de New York. Le seul Spider-Man de New York. Vous voyez, le costume est endommagé, même si c'est pas le costume de base. Je suis le seul Spider-Man de New York. Wouhou! Il faudra pas se planter. Non. Wow. Ah bon, les amis, on se retrouve pour un prochain épisode qui sera dans pas longtemps d'ailleurs. Donc J'hallucine, Rino. Ouais, t'es où? T'as pu entrer dans l'appartement? Ouais, la merde a laissé entrer. J'ai défait slash vidé mon sac à l'arrache chez toi. Je suis sorti prendre l'air dans le bar là. Nickel. Tu peux passer à l'amphithéâtre? J'ai un truc à te montrer. C'est un truc genre speeder truc? Oh, dis-moi que t'as chopé un bout de la corne de Rino. J'ai vu des photos du combat, un truc de malade. C'est complètement un truc de super-héros. C'est bien mieux que la corne. Ah, le suspense est intenable. J'y suis. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode.